Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous allons compter les syllabes avec les animaux de la ferme. Je vous ai donc préparé 4 petites boîtes, 1, 2, 3 et 4. Dans ces petites boîtes, nous allons ranger les animaux en fonction du nombre de syllabes que nous allons compter ensemble. Alors, une syllabe, 1. 2 syllabes, 2. 3 syllabes, 3. Et 4 syllabes, 4. Alors c'est parti, je vais piocher des animaux. On va commencer avec le cheval. Attention, cheval, cheval. Combien de syllabes pour le cheval? 2. Cheval. On le met dans la maison du 2. On continue. Vache, vache. Une syllabe. Vache. On le met dans la maison du 1. À l'oral, on ne prononce pas le E final dans le nord, toujours. Donc, ça sera vache, une syllabe. Pas vache, vache. On continue. Nous avons monsieur le mouton. On y va. Mouton. Mouton. Deux syllabes. Hop, juste ici. Deux. Alors, celui-ci, éléphant, vous êtes prêts? Éléphant. Éléphant, trois syllabes. Éléphant. Alors, notre ami éléphant va aller dans la maison du 3. C'est bon, ça rentre. Ici, nous avons le zèbre. Zèbre, une syllabe. On continue. Âne, monsieur l'âne. Âne, une syllabe également. On continue. Cochon, cochon, cochon. Un, deux. Monsieur cochon. Ensuite, nous continuons avec le chien. Chien, une syllabe. Et puis, le chat. Chat, une syllabe également. Hop. Alors ici, attention, c'est un serpent. Combien de syllabes pour le serpent? Serpent, serpent, deux syllabes. Et attention pour la fin, voici avec sa corne devant, monsieur rhinocéros. Alors attention, on va compter les syllabes ensemble. Rhinocéros. Rhinocéros. Ross. 2, 3 et 4. C'est un long mot pour le rhinocéros. Voilà. Alors, on va redire un petit peu les animaux dans chaque maison de syllabes. Alors, dans la maison une syllabe, nous avons âne, vache, zèbre, chien, chat, une syllabe. Dans la maison deux syllabes, nous avons serpent, cochon, mouton, cheval. Dans la maison trois syllabes, nous avons éléphant. Dans la maison quatre syllabes, nous avons
rhinocéros. 4. À votre tour maintenant de piocher les petits animaux que vous avez dans vos jeux ou alors des petites images trouvées également sur l'ordinateur. Et vous pouvez, avec papa et maman, compter les syllabes et les ranger dans la bonne maison. 1, 2, 3 ou 4 syllabes. À bientôt !